Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Far Cry Primal. Enflammé flèche, d'accord, ah bah c'est moi qui me suis enflammé du coup. J'avais cru remarquer quelque chose, chers amis, au passage. Non, rien du tout. Rien du tout, d'accord, ok, bon bah pourquoi pas. Nous sommes toujours donc dans Far Cry Primal à la recherche de plusieurs personnages. Ces personnages nous permettant d'avoir accès à différentes capacités, que ce soit dans le craft ou dans les compétences, tout simplement. Nous avons l'exécution au couteau. Appuyez sur F pour commencer une exécution au couteau. Appuyez sur pour lancer un couteau sur un autre ennemi. Oh, d'accord, vous devez avoir les couteaux pour... D'accord, ok. Précision accrue pour les gourdins et saguets. Agilité avec un changement d'arme et kick, c'est bien plus rapide, même lorsque vous sprintez, la visée est bien plus rapide. D'accord, santé supplémentaire. Vous approuvez, d'accord, sprinter indéfiniment. Ah oui, ça c'est intéressant. C'était intéressant, ça, c'est vrai. C'était extrêmement intéressant. Le bois, la pierre, les ressources du village apparaissent sur votre mini-carte. Ça peut être intéressant aussi. Fouillez automatiquement votre cible en réalisant une exécution. C'est intéressant. Trouvez deux portions de graisse animale et deux de peau de bête en dépeçant la plupart des animaux. D'accord. Gagner du temps. Ok. Potentiellement, on va débloquer celle-là. Bison de chasseur sac, d'accord. Marquage d'ennemis. Ça peut être intéressant. Je vais prendre des exécutions. Des exécutions supplémentaires. Je suis pas assez bourrin dans ce jeu. Je suis trop bourrin dans ce jeu en fait. Je suis peut-être un petit peu trop bourrin. On va attendre un petit peu. Vous savez quoi? On va attendre un petit peu. Sauf si là il y a quoi? Double sac. D'accord, c'est des confections ça. D'accord. Non, bon bah pour l'instant on va parler confections. Arc long, d'accord. Arc double, d'accord. Ceinture à saguet, pouvez améliorer, enfin pouvez transporter 4 saguets. Lancer de couteau, couteau berserk, couteau de pierre, piège. Ça peut être intéressant. Griffe grappin, il n'est pas améliorable. Ça par contre c'est améliorable, les nouvelles saguets, donc on pourra avoir des saguets plus durables encore. C'est bon ça. Allez, nouvelle saguée. Érable du sud, pierre du sud rare, pierre du sud classique, d'accord. Ok, parfait, bon. On va tout de même aller chercher notre ami, oula. L'eau est bonne au moins, l'eau est bonne, chers amis. Faudra aussi qu'on parte à la chasse au loup blanc. Je le rappelle à ceux qui l'ont oublié. En tout cas, les saguets sont de meilleure qualité. Faudra aussi être en même d'en porter un peu plus. Ce serait sympa. Mais bon. Quoique, je pense qu'on peut déjà la faire celle-là. C'est ici. Les saguets. Oui, on peut la faire. Hop. Peau de poisson croque. Ah, il va falloir qu'on aille pêcher. Il va falloir qu'on aille pêcher, chers amis. Bon. Ben, ça va se faire. Hop, parfait. On va monter notre bête. Même si je préfère honnêtement l'ours finalement, parce qu'elle est quand même assez fragile de ce qu'on en a pu en voir. Hein. Alors, est-ce qu'on passe? Sans toucher, sans contact. Oula, on a évité les cailloux aussi là. C'est pas trop mal. Loup blanc! Putain! Non? Vous avez pas vu un loup blanc? Oh, j'aurais juré l'avoir vu. Non, ça devait être ça que j'ai vu. Et défends-toi! Ah putain, c'est un blaireau! C'est un putain de blaireau. Les blaireaux sont les pires plaies de l'univers dans ce jeu. De véritables tanks. Tiens, mange. Mange, Simone.
Hop, on y retourne. Le blaireau. La plaie de l'univers. Ça c'est quoi? De l'ardoise classique. Oui, on est dans la zone centrale, donc il n'y aura pas grand chose de spécifique. Ok. Des amis. Hop. Ok, on y est. Grotte de Asari. Donc j'imagine qu'elle s'appelle Asari. Sans trop me tromper, je pense. Ok, alors, cinématique. Oula. Papa. Arrière. Oui, je suis Winja. Il se fout de ma gueule. J'aime pas ça. Je vous appelle le mien si vous voulez. Ok, vous voulez vous la mettre? On va se la mettre. J'appelle mon nounours. J'appelle le mien. Où est-il? Ça tombe bien, il est déjà en train de chercher son ami. Ok, on va suivre l'ours. Je l'ai déjà perdu, là voilà. Viens avec moi. Allons-y, l'ami. Ok. C'est clairement pas un ours, ça. Ok. En douceur, chers amis, y a pas de raison de... C'est un loup blanc, on est d'accord. Pourquoi j'ai pas réussi à l'attirer la deuxième? Attendez. Il y en a un que j'ai blessé. Merde! Merde! Pourquoi j'ai pas réussi à tirer la deuxième? C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Dégagé. Ah, ça fait chier ça. Bon, c'est pas grave. Tiens, dégage. Hop. Dépecer loup. Saguer une, viande. Peau de loup blanc. Parfait. Parfait, 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 chers amis. Nous avons de quoi... Oh, il en faut deux. Non. Quel dommage. Bon, compétences, on a combien de points? 3. Sprint discret, ça pourrait être intéressant. Vie supplémentaire, ça peut être nécessaire. Ça peut être nécessaire. Ici, on a quoi? Sont appréciables pour des cavernes et blaireaux.
Eh ben écoutez, on va les prendre. Ce sera les dernières bestioles qu'on peut apprivoiser, donc on va en profiter. Juste pour voir, les blaireaux font quoi? Parce que j'imagine qu'ils ont une utilité. Bête sans peur qui réussit automatiquement après être morte une fois et qui effraie la faune d'Oros, immunisée au poison. Le blaireau, putain. Au combat, attire les attaques ennemies. D'accord, il y a des chasses particulières ici. Loup rouge-neige. Loup tigré rare. D'accord. Bon, on ira voir ensuite. Faut retrouver cet ours. Du miel. Du miel, du miel. Et des coups de griffe. Ours a faim, clairement. Clairement, clairement, clairement. Du miel. Encore et toujours. Il y a un fauve dans le coin. Un blaireau. Vite! Oh, allez, la bouffe! Il va se faire bouffer par mon ours. La vache! Oh, l'ami, tu te calmes. Tu es la pire bête de tout Oros, c'est dit dans le jeu. Vas-y, je te caresse. Oh la saloperie! Oh la saloperie! Putain! Permets que je récupère mes appâts. Je vais pas te laisser les bouffer. Bon. Il n'empêche qu'il faut que j'appelle mon ours. Je garderai mon ours pour cette... cette traque, on va dire. Prendre un petit peu de... Hop. Hop. Ramasser les seins. Hop, parfait. J'ai ramassé ces seins. Commencé à tomber par terre. Du miel. Ah, il semblerait qu'il ait trouvé mieux que du miel. C'est le mien. Ok. Il y a des choses qui me traquent. Ou qui du moins essayent de me traquer. Putain. Tiens, mange. La sale bête. Tiens, remange un coup, y a pas de problème. La sale bête. Elle s'est pris des coups de patte pourtant, hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Y a du sang là-bas. Dégage.
C'est drôle qu'il y ait du sang et pourtant qu'il y ait une bête. Par contre, il y a du sang même jusque dans l'eau. Hein. Ok, la traque continue, chers amis. La traque continue. D'accord. Les animaux ont plus de mal à vous détecter. Ça peut être intéressant aussi. Inifugé, antidote. D'accord. Stimulant ultime. D'accord. Bon. On va attendre un petit peu. Ok, il y a encore du sang dans le coin. On devrait pas tarder à le trouver, cet ours. On ne devrait pas tarder à le trouver. Hop. J'ai bien compris que tu étais là. Oh putain. Un macaque. Des macaques, pardon. Je peux enquêter? Oui, voilà, c'est sur lui qu'il fallait que j'enquête. Attaque d'ours rapide. D'accord. Ok, on va continuer à chercher l'ours. Il y a un ours qui emporte un singe là-bas. Un aigle qui emporte un singe. Ok. L'avantage, c'est que l'ours nage très très bien. Un coup de griffe, un coup de patte. Et on a pu voir qu'il y avait un prédateur devant nous. Mais alors, où exactement? Là-bas. Oh. T'es sérieux, là? Allez, monte. Monte. C'est lent. Oh la vache. Ah, il bourre, hein. Là, il bourre. Hein. Bon. Alors, j'ai récupéré mes sagas aussi. Enquêter. Moi, trouver ours. Tout à fait. Et moi, récupérer sagas d'abord. Ah, j'ai une sagas qui a lâché. Et une autre qui a disparu. Ok, bon bah je suis bon pour refaire deux sagas. Voilà. C'est quoi qu'il me faut? Des peaux de bête, d'accord. Et il a fui par là. Bon, on doit s'approcher de la cible de toute façon. Faudra qu'on fasse une petite séquence de chasse aussi, un de ces quatre. Oh oui, il est là-bas, lui. Vous allez voir, je pense pas me tromper. On va prendre l'arc. Et dès qu'on le voit, on enflammera une flèche en envoyant notre ours dessus. Je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. J'ai perdu la piste? Non, c'est bon. La voilà, on la suit toujours. Vous voyez, hop. D'accord, faudra qu'on pense à pêcher du poisson aussi. Hein. Ah, nous sommes dans le sud, techniquement. Pierre du sud. On dirait le sud. Bon, 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 bon. Je crois que nous avons notre ours.
va l'enflammer, j'avais dit. Merde, j'aurais dû tirer avant. La dernière fois que ça s'est passé, ça, ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Oh! Ok! Ah, c'est lui le papa, hein, clairement, là, on peut pas. Bon. Viande, peau d'ours. Bon. Ça me respecte. Trouver les chasseurs dans la tanière de l'ours, c'est pas bon signe. Oh merde. Une cage thoracique. Non? Hello? Ah. Oh. Oui, trouve une excuse. Trouve une excuse. Chasseuse blême, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un sac. Oh putain, j'ai eu des doutes sur ce que c'était à la base. Ok, bon, 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 bon. Ah, apparemment, on me demande d'aller voir rapidement. D'accord. Ok. Oh la vache, un rhino. Peau de lino, de rhino laineux. Oh la gueule. Dents de sabre. Peau de singe. Toujours pas de loup dans le coin. Des dolles. Les nous, c'est vraiment des bêtes nocturnes. Hein. On va quand même. C'est un avant-poste. C'est un avant-poste. J'ai pas forcément envie de le faire. En tout cas, pas tout de suite. On va plutôt aller chercher ici le bûcher de la garde de nuit. C'est clairement ce qui était marqué. Ok. Salut les filles. Ok. On va récupérer tous les cailloux. En tout cas, un maximum. C'est des tortues que je voulais. Hop. Ramasse ces viandes, d'accord, c'est que de la viande. Ça c'est quoi? Poudre de roc du sud. Moi c'est pas de la poudre de roc qu'il me faudrait, c'était directement de la... Ok. Il y a de la bébête. Il y a du bouffeur de chèvre dans le coin. Plouf. Dis-moi que tu sais te défendre face à un croco. Bon, apparemment il n'a pas. Il y a du bol. Ok, nous sommes à 300 mètres du bûcher. Le seul véritable souci, c'est qu'on est en dessous, en fait. D'accord. D'accord. Écoutez, c'est pas grave. On va regarder s'il y avait 2-3 petits composants sympas dans le coin, mais apparemment, non. En tout cas, pas que je vois. Par contre, il y a une zone à découvrir. Au calme du doigré. D'accord. Les eaux calmes. Allons-y, allons-y, allons-y. Hop. Bute-le, bon Dieu! Dommage. Putain, il s'est arrêté pile devant.
Mais merde! Des loups! Putain, un loup blanc! Lui, il me le faut! Lui, il me le faut, chers amis! Putain, il a fui vite! Il a fui si vite! T'es pas sérieux! T'as pas fui si vite que ça! Hop les! T'apprendras. J'ai vu d'autres bestioles. En contrebas. Un loup gris. Il y avait un loup gris. Lion des cavernes, je le dépece. Moi, c'était le loup blanc qui m'aurait intéressé. Ah, merde. C'est le loup blanc qui m'aurait intéressé. Quel dommage. Quel dommage. On a loupé une occasion, chers amis. Allez, grimpe. Oh, mais c'est pas la forme, dis-moi. Eh. Hein, l'ami. Tiens. Attends. Attends deux secondes. Nourris-toi. Vas-y. Tiens, mange. Mange. Bonne. Bonne fufu. Oh oui, regardez ça. Oh. Bon. On y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Ok, il va y avoir de l'escalade. Je te laisse là. Va trouver une place de parking. Et on se retrouve une fois que j'ai fini le shopping. Je vais racheter notre maison. Y'a pas. Hop. Ok, je suis passé par là, mais au final, il n'y a rien pour monter. C'est la fête. Où est le bûcher? Mais je peux pas monter par là non plus. Alors, qu'est-ce qu'on avait pris en compétence au fait de combat, j'ai dit? Mais on avait pris la possibilité de... Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Il nous reste un point, mais ce n'est pas suffisant. Alors ici, on a le marquage d'ennemis qui est maintenant disponible. D'accord. Marquage d'animaux, ça va être intéressant aussi. D'accord. Stabilité tir à l'arc, confection de flèches. Deux flèches, le coût ne change pas. Mais vous en confectionnez plus, encore plus. D'accord. Bon, on reviendra dessus une autre fois. Si on prenait une bestiole un peu plus discrète. Hop. Vas-y, bourre-le. Il m'a brûlé. Je sais pas ce que c'était que ce coup, mais il m'a fait extrêmement mal. Vas-y, bouffe-le. Et putain, mais... Faudra que t'acceptes de mourir. Oh la vache. Oh la vache. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un démon!
Hop, dans la tête. Tout est dans la tête. Hop, fouillé. Merci. Hop, vas-y. Mange. Ok. Ok, ils sont balèzes. Meurs. Putain. Je l'ai eu. Tiens, nourris-toi. Tu me saoules. Tu sais quoi? Dégage. Hop, voilà. This is Sparta. Bon. Hop. Ça, c'est fait, chers amis. Il était balèze, cet adversaire. Je ne sais plus s'il y a ou non un bestiaire. Mais cet adversaire, je l'ai pas aimé, hein. La chouette. Les guerriers sont des combattants rapides. Les guerriers sont des combattants rapides au corps à corps. Attaquez-les à l'arc ou au gourdin. Les chefs sont d'imposants combattants au corps à corps. Préférez les pièges et les saguets face à eux. D'accord, bon à savoir. Les lances aux saguets peuvent éliminer, peuvent attaquer de loin. Éviter leurs saguets et anticiper leurs attaques. Les sont de combattants à distance. C'est l'arc ou foncez leur dessus avec le gourdin. D'accord. Les fondeurs se tireront à longue portée, cachez-vous et tuez-les à l'arc pour éviter l'alarme. Les fléaux lancent des bombes à feu. Utilisez vos saguets pour éviter le danger. D'accord, donc ce sont véritablement des ennemis dangereux. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je vais prendre cette compétence, on va en avoir besoin pour avoir plus d'objets. Là on a obtenu ce qu'il fallait. On va récolter ce qu'il y a dans la région. Cependant on a perdu une grosse quantité de d'objets, hein, soyons honnêtes. Ils sont quand même stylés en bleu, hein. Je vois ça, mais... Ah oui, le chef. Bois dur. Et c'est tout. Tu m'aurais été grandement utile, toi. Comparé au temps que j'ai passé à le... Ah, je me brûle comme un con. Hop, je vais récupérer les flèches. Hop. Voilà. Il y en a plus à récupérer, c'est bon? Non. C'est bon. Bon, alors ici. Toi, je ne t'ai pas fouillé. Peau de bête, feuille... Là, peut-être il y aura un peu plus de flèches. Voilà. Ok, nous sommes donc à 29 flèches. Pardon, je me trompe de... 29 flèches, on y est presque. Est-ce qu'on peut faire le plein entièrement dans cette... dans ce village? Ça serait cool. Ça mettrait d'avoir à... ça mettrait d'avoir à les crafter. Apparemment, on ne les aura pas. Il n'y a pas de saguet, j'aurais aimé qu'il y ait des saguets aussi. Qu'est-ce que c'est? Ardoise du sud, j'imagine. Non, ardoise classique, dommage. Vraiment dommage. Donc, vraiment aucune autre... Peau de bête, oui, on va en avoir besoin. De la viande, on va en avoir besoin aussi. Tout ce qui est plante aussi. Ok, ça c'est bon, je peux en prendre. Caillou du nord, je peux le prendre aussi. Parfait, bon. On va vraiment pas trouver les 5 dernières qui nous restent, c'est vraiment dommage.
Ok, donc on a un campement dans la région, ce qui est extrêmement pratique. Je pense qu'on va se rentrer à notre village et aller voir ce qu'on peut y faire maintenant, chers amis. Hop! Vous voyez qu'on a plein de monde. Hop, on se téléporte. Hop! Ouah, je m'étire, chers amis. C'est d'une violence. Apparemment, il fait nuit dehors. Ça peut être sympa. Même à l'intérieur, je dois admettre que c'est véritablement sympa. Village, d'accord. Ça, c'est donc un truc de progression du village. Ici, c'est... Dans le monde d'Oros, c'est les voyages. D'accord. Ici, c'est les bêtes. Les bêtes chassées et apprivoisées. Ah, il serait temps que j'apprivoise une dole, par contre, apparemment. Il reste une bonne grosse quantité de bêtes que je n'ai pas vues. D'accord. Ici, c'est les objets de collection. Je sais pas si on les fera tous, ces objets de collection. Hein. Je pense pas. Un petit peu de bois dur. Paroi de la grotte. D'accord, c'est tous les trucs terminés, en fait. Ok. C'est la complétion générale. Gourdin amélioré, donc les armes débloquées, d'accord. On voit que je suis plus un fan de la saga, mais en même temps, vu comment elle projette la saga aussi. Lieu important, d'accord. Il y aura vraiment des choses sympas à faire. Bon, bon, bon. Mais c'est vrai que le simple, c'est con à dire, mais le simple objet torche me manque, en fait, dans ce jeu. Devoir utiliser un gourdin obligatoirement pour faire une torche, je trouve ça peut-être un petit peu trop. Grotte de Takar, population, on a ce qu'il faut. Il nous faut une peau de blaireau supplémentaire. Merde! C'est la peau de blaireau qui nous la met à l'envers. C'est chaud? C'est chaud, ça fait du bien, je reconnais. Madame, pourriez cacher votre sein, s'il vous plaît? Là-bas, il y a une quête à me proposer. Il y a plein de choses à voir. Bah, il y en a qui s'éclate. C'est bon à voir. Entre... Alors, attendez, regardez son instrument, elle. C'est sympa. Il y a un tam-tam quelque part. Oh, regardez-moi ça, s'ils sont pas beaux. Ils sont magnifiques. Et ça danse. Ah. Elle joue du pipeau. Et toi, t'as arrêté de danser. Apparemment, la fête te fait pas plus. T'as pas plu. Ah, oh, mais ramassez vos seins, merde. Là, c'est... C'est notre ami, effectivement. Ça et là... Amélioration 1 sur 2, récompense d'amélioration 2, recette de santé maximale, recette de stimulant ultime, objet rare placé dans votre récompense, en cas de récompense chaque jour, il me faut plus de peau de mammouth et plus de roseau. Pour le mammouth, ça va être compliqué. Bon, je ne vais pas venir te voir tout de suite. Voilà, c'est toi que je cherchais. Bonjour. D'accord. Y a pas de souci, ça devrait pouvoir se faire. J'ai ce qu'il faut justement, ça tombe bien. La fronde et l'arc long, ça peut être sympa à utiliser. Bah elle est sympa, sa hutte. Oh oui, s'il y a des armes, si par exemple elle a une technique pour chasser le mammouth, ça m'intéresse. Du coup. Eh hey, hey. Eh oui. Et oui, et oui, et oui. Honnêtement, ça m'intéresse. Par contre, qu'est-ce que tu me permets de confectionner? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Érable du sud. Et là, j'ai plein de trucs qui me manquent. L'arc est plus long à charger, mais inflige des dégâts accrus et permet de zoomer avec une précision et, pour une précision à distance inégalée. Génial! Génial, génial. Absolument génial. Le gourdin x2 aussi va être utile. Va être clairement utile. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, je pense, chers amis, qu'on va pouvoir se remettre un petit peu à faire un petit peu d'histoire. On a gagné un point de compétence. Ça nous en fait qu'un seul, malheureusement. On va quand même... On va quand même améliorer ceci.
pour récupérer un maximum de ressources. Vous voyez qu'on est en manque de ressources. Il faut qu'on puisse choisir en fait les différentes ressources qu'on aura à notre disposition pour les... avant de les récupérer en fait simplement. Bon. What the... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est chelou ça. C'est chelou ça. Oulala. J'ai un pédophile dans le coin. On me dirait à l'époque ça devait être assez... assez commun malheureusement. Et malheureusement sans doute toléré aussi. D'accord, donc là on retrouve une crotte. D'accord. Ok. Champignons, je peux pas récupérer ça. Bon, bon, bon. Il va falloir qu'on passe de toute façon à la pêche, à la chasse, tout ça, qu'on puisse déjà aussi choper le plus rapidement possible notre loulou. Faut qu'on puisse avoir un temps illimité dans le froid, qu'on puisse farmer un petit peu cette zone. Des choses sympas par là. La bouffe. Oh, merci. Merci, mon Dieu. Merci. Ça fait du bien. Des pots. Oh merde, il ronfle. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Sigma, ou encore cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie tout comme je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt les 5K abonnés, encore une fois, un grand merci pour ça. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur Far Cry. À demain pour du Fallout 4 et bien sûr, à tout de suite si vous regardez les autres vidéos de la journée, c'est-à-dire normalement Robocraft et Elite Dangerous. Salut les gens! Et yop!